Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit vlog, donc ça va être un petit vlog vraiment, où on va décorer ensemble l'écurie pour Noël, parce que bah, c'est bientôt Noël, c'est bientôt le mois de décembre au moment où je tourne la vidéo. Du coup je me suis dit que ce serait sympa que je vous emmène avec moi bah, pour cette année décorer l'écurie. On va mettre des boules de Noël, des guirlandes, guirlandes électriques, etc. On va mettre un peu tout ça à la maison. Donc l'année dernière c'est quelque chose que j'avais déjà fait, le focus est pas terrible, c'est pas grave. Du coup je me suis dit que cette année ce serait plutôt sympa si on faisait ça ensemble, du coup j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Bon, j'ai récupéré ça pour la porte du box, il me semble que ça c'était ce qu'il y avait l'année dernière sur le box, donc je pense que je vais reprendre ça. Et j'ai également bah, pris un bac de déco au cas où, enfin je sais pas trop comment je vais m'organiser, comment je vais faire cette année. Mais je vais aller poser tout ça, et là il y a la guirlande électrique, donc c'est une guirlande électrique qui peut se mettre à l'extérieur. Donc on va aller poser tout ça au box. Donc les chevaux sont pas là en ce moment, ils sont prêts, donc je vais en profiter qu'ils soient pas là pour tout préparer. Comme ça, ce sera prêt quand ils reviendront ce soir. Bon, la première étape du plan, c'est qu'on va dérouler la guirlande électrique sur la clôture. Donc ça craint rien parce que de toute façon, il n'y a pas de courant en ce moment vu que les choses sont pas là. Et on va l'accrocher au toit et après on va faire redescendre sur les poteaux. Donc voilà, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini de mettre la guirlande électrique après moult péripéties dues à un problème de taille, on va dire. Du coup, voilà. Il y a les petites LED un peu partout. Ça fait plutôt sympa. J'ai testé ça, tout fonctionne. Ça, c'est grave cool parce que, bon, avec ma chance, on le sait jamais. Juste là, c'est pas officiellement bien mis. Je vais le remettre après. Mais voilà, tout fonctionne. Hâte de vous montrer ça ce soir. Là, on va mettre la couronne pour le box. Donc, je vais la mettre suffisamment basse à ce niveau-là pour pas que Mistral gagnant essaye de la choper. Donc, je sais que là, à ce niveau-là, il n'arrivera pas à la choper parce que lui, il est un peu coquin. Il bouffe un peu tout ce qui passe. Mais là, à ce niveau-là, je sais qu'on n'y arrivera pas. Donc déjà, est-ce que je vais réussir à piquer ça? Une question. Sinon, je vais juste piquer comme ça. Ça peut aussi faire le taf. Ouais. Bon. On va la mettre là. À ce niveau-là, est-ce que c'est bien au milieu, là? Ouais, de toute façon j'ai pas trop cher parce qu'avec les plaques je pourrais pas la mettre à 50 endroits. Donc je vais piquer ça. Je vais enfoncer pour pas que ça dépasse. Et ça va pas. Yes! Bon, du coup c'est pas grave, j'ai niqué une pointe pour rien, ça va être très grave, je vais aller rechercher une autre. Ça en fait hein. Bon, je vais percer, j'aurai peut-être plus de chance. Oui, voilà, on recommence pour la troisième fois. Est-ce que je vais m'éclater un doigt hors note? Mais déjà ça pique pas droit, enfin putain, je vous jure, si vous avez de la déco à faire, ne faites pas appel à moi. Non mais en plus je l'ai même pas pointé. Bref, c'est pas grave, je reviendrai une fois que Noël sera passé. Donc voilà le petit bonhomme de neige. Alors oui, vous allez me dire il est un peu bas et tout, mais bon, je peux pas non plus le mettre trop parce que Mistral gagnant il va jouer avec sinon. Donc voilà, là il est pas mal. Alors l'année dernière j'avais mis une guirlande de petites billes que je trouve trop jolie.
Donc là, on est là, je crois, ou à l'autre poteau, je sais plus. Mais de toute façon, l'autre poteau, je vais rien rajouter parce qu'il y a deux passages de guirlandes électriques. Alors, je vais essayer de l'accrocher là-haut. Là, ça devrait pas bouger comme ça. Et on va faire des tortillons comme je fais avec la guirlande électrique. Bon, voilà, je vous montre un peu le résultat de nuit, du coup. Ça fait trop trop beau. Ça va, hein ? Voilà, il y a la LED qui vient de s'allumer. Mais voilà, ça fait super sympa. Regardez ça. Minou qui arrive. Ça va, mon cœur ? C'est trop beau, hein ? Trop trop beau. J'adore vraiment. Bon voilà, sur ce on va arrêter la vidéo ici. J'espère que cette petite déco des écuries ensemble vous aura plu. Si c'est le cas, bah laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !